Bonjour, c'est Antoine Rosner et aujourd'hui je passe au recording. C'était qui le dernier à avoir conservé son titre de champion de France messieurs avant toi ? Pour moi, il y a Grégory Avray, mais il l'a fait 3 fois de suite. En 2014, t'as battu un record en finale. C'était quoi ? La plus large victoire en finale 12 et 10. Combien de fois le Racing a-t-il gagné la Gounouillou ? Je dirais 13. Et non, c'était 17. Ah. Et toi, en quelle année tu l'as gagné ? Facile, en 2012 au golf de Granville. C'est quoi ton meilleur classement mondial ? Je crois que c'est 188e, mais j'ai un doute. Non, c'est 179e. L'an dernier, tu as gagné 2 fois d'affilée sur le Challenge Tour. Depuis combien de temps cela n'était pas arrivé ? Ah là là, 12 ans ? Et non, c'était il y a 7 ans, en 2012. Quel Français a gagné plus de 2 fois la même année sur le Challenge Tour ? Ben Hébert. 2 fois, je crois. 3 victoires. Est-ce que tu peux citer 5 Français qui ont gagné sur le Challenge Tour ? Ben Hébert, Antoine Rosner, Clément Sordet, Robin Roussel et Romain Langasque. C'est quoi ta meilleure carte sur le Tour européen ? Jouer moins 6 à l'île Maurice. Combien de Français jouent à plein temps sur le Tour cette année ? 15. Question bonus, en quelle année le PSG a été champion de France pour la première fois ? Allez, comme ça, 1984. Non, c'était en 86. Pas loin, pas loin. Ça te fait un total de 7 sur 10. 7 sur 10, record à battre.